caravanières qui conduisent la décennie de la femme à travers le Gabon ont une énième fois été honorées dans le département de la Sébé Bricolore, précisément à Okondja. Les groupes socioculturels étaient au rendez-vous, au bonheur du premier citoyen de la cité. Les populations de notre département ont accueilli avec enthousiasme et fierté la déclaration par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, de la décennie de la femme gabonaise depuis la province de Logoué-Ivino. En prenant cette sage et historique initiative, le chef de l'État témoigne à suffisance de l'intérêt accordé à la femme gabonaise en faisant d'elle une femme bénie. Alexandrine Lekogo, représentant les femmes, a égrené le chapelet des préoccupations dans l'espoir de trouver les solutions. C'est ici l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour avoir décrété une décennie dédiée aux femmes pour la période 2015-2025. Madame le ministre, nous avons évoqué avec les membres de votre délégation, dans les différents ateliers, tous les problèmes et discriminations auxquels nous faisons face au quotidien. Sans formation, sans scolarisation, nous n'allons pas pouvoir mettre en œuvre la décennie de la femme. Vous faites bien, je voudrais vous féliciter d'avoir pointé ce problème comme problème prioritaire. Vous avez compris le sens donné par le président de la République lorsqu'il décrète la période 2015-2025 décennie de la femme. Vous avez saisi l'opportunité de cette consultation nationale. Les femmes et filles de la Sébé Bricolore en général et celles de la commune d'Okondja en particulier attendent patiemment de consommer les fruits de la décennie dont les fleurs ont commencé à fleurir.